Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui au programme du blindage, du surblindage même du KVK, des excuses de Lilith en carton. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et bien sûr, les amis, je vous invite également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, il n'y a pas plus simple. Vous cliquez dessus, vous téléchargez Discord si ce n'est pas fait et rejoignez-nous. Vous y retrouverez tous les screens de toutes mes vidéos et bien plus d'infos encore. On commence tout de suite les amis. Regardez le VIP17. Me tend les bras. Il est juste là à 2575 points. J'ai jamais été aussi proche de l'avoir. Alors vous allez me dire, pourquoi tu ne mets pas un petit coup de gemme pour finir Je ne suis pas encore en KvK. J'ai pas d'intérêt à monter immédiatement. Au niveau 17, et c'est toujours... Ça ferait quoi C'est 2000 gemmes Ça ferait toujours 2000 gemmes de claquer dans le vent, alors qu'il me suffit d'attendre et ça va arriver. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu de points. Voyez, voilà, on s'en rapproche un petit peu plus encore, voyez. Là, on doit être à présent... Voilà, on est passé sous les 2500 points du VIP 17. Ça va faire plaisir le VIP 17. Vitesse d'entraînement plus 25%. Limitation des points d'action plus 350. Dégâts auto plus 5% sur tout ça que de la balle. Bon, le VIP 18, c'est un mirage. Capacité de troupe plus 15. Ça, c'est de la boule, de la balle, de la boule. C'est de la bombe de balle. Laisse tomber, je suis avec l'attaque ce matin. Bref, en tout cas, je suis bien content. Regardons tout de suite les événements. Vous voyez déjà, j'ai le petit pop du nouveau KvK. Comme on a raté la présente inscription, celle-là, c'est peut-être la bonne. Normalement, on s'inscrit sur le KvK du 18. Donc le quatrième pop, on est détente. Il y a encore 53 inscrits en hymne héroïque et en lutte des 8, 12 inscrits. Toujours pas ni de marche des âges, ni de conquête du désert. La conquête du désert, on va y revenir tout de suite. Mais avant cela, les events, est-ce que quelque chose de ouf à pop On a la crise de Céroli. Qui vient de pop, on a toujours un trait de l'or. Les paris, on va aller voir ça tout de suite. La crise de ces c'est toujours des events gratuits. Ça fait plaisir. On a la maison d'Esmeralda. Attention, la maison d'Esmeralda, c'est un des rares événements qui dure que deux jours et pas trois jours. Même moi, je me suis déjà fait avoir. Donc n'oubliez pas, les amis, de le faire. Vous faites votre petit tour gratuit. Vous vous demandez si c'est rentable. Oui, c'est rentable. Petit tour gratuit. Petit tour à 50% des familles en espérant avoir des items de craft légendaire. Non, j'ai des accélérateurs. De recherche qui ne me servent à rien il faudra aller à 10 pour avoir au moins deux coffres de choix de matériaux je ferai ça demain tranquillement téléchargez bien le pré patch pour avoir les récompenses c'est gratos c'est toujours ça de prix. défenseur de forteresse on prend aussi vous avez vu j'ai même pas fait les barbares aujourd'hui les l'arabie et rien de particulier à partir de zéro vous pouvez le faire si jamais vous ne jouez pas le MGE, c'est le moment de créer de la troupe. Hein. C'est toujours très rentable. Les niveaux sont jamais oufissimes. Rarement, parfois. Mais ça permet surtout d'aller chercher 20 sculptures. Ce qui est dommage, c'est que c'est un event où le nombre de sculptures en or des données est très limité. Même si ça va jusqu'au rang 100. Maintenant, on a au moins une sculpture. Avant, ce n'était pas le cas. On passe de 20. Sculpture pour le premier, à 10 pour le deuxième et 5 seulement pour le troisième. Certains ont une décrémentation. Ce mot-là, il est pour moi c'est cadeau. 20, 15 et 10, ce qui est un peu plus sympa pour le podium. Passons et revenons même immédiatement sur les paris de la grande finale. Les amis, regardez, regardez, regardez. Voilà. N'est pas bien là, le store est vidé. Si vous avez suivi mon pari de ouf de la semaine dernière, d'hier même, de dimanche, si vous avez suivi ce pari, vous êtes refait les amis. Donc je vous invite vraiment à suivre la prochaine ligue, la saison 6 de la ligue, si je dis pas de bêtises, hein, et qui aura une grande finale aussi, où on se blindera encore. Le store est plié. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est un store qui est en carton. Les 1V ont bien maîtrisé, on a pris un gros risque, mais je vous l'ai dit, ce risque, cette probabilité était possible, car les 60 GT ont surtout eu l'avantage, car ils ont tous les commandants. Tous les équipements au max. Et là, sur cette grande finale, c'est tout le monde au même niveau. Mêmes équipements, même commandant, même nombre de troupes. La seule différence, c'est le nombre de soins qui peuvent claquer. Mais les 1v ont aussi une CB infinie et sont prêts à claquer à l'infini des soins. Donc vraiment, on s'est bien mis là avec les clés en cristal et avec les coffres de choix de matériaux. Alors évidemment, j'ai tout pris parce que sinon, mes horribles de grande finale me serviraient à rien. Et vous voyez, il m'en reste encore. 4300 et j'ai vu des screens. Vous êtes bien plus nombreux à avoir eu bien plus d'Oric avec des paris bien plus risqués. Bien joué, les amis. On s'est mis bien. Ça fait très très plaisir pour cette grande finale car c'était tendu de réussir à faire un pari. Quand on avait vu les demi-finales où c'était sûr que les 1v et les 60 GT gagnaient, on s'est quand même bien mis. Et regardez avec la petite astuce on a même pris 100 Oric de grande finale sur le, le, les paris intermédiaires. Sur ce qu'on gagnait en nombre de morts je crois et en prise de bâtiment en maintien sur l'open field hein, mais on a perdu sur les deux autres donc dans l'un dans l'autre on n'a rien gagné sur les paris intermédiaires mais c'est pas grave on s'est blindé sur le plus gros des paris c'est tout ce qui comptait. En parlant de paris et on va passer à présent au KVK les amis regardez bien. Ce petit mail de Lilith, il m'a fait bien rire concernant le KvK, la conquête du désert. Ceux qui l'ont fait déjà, donc il y a très peu de Rome qui l'ont fait, mais ceux qui l'ont fait ont reçu ce mail de la part de Lilith. Salutations gouverneur, depuis le lancement de l'histoire conquête du désert en carton, nous avons reçu de nombreux retours où les joueurs nous insultaient, nous allons évidemment ils disent pas ça, nous allons tenir compte dans la prochaine mise à jour et vous allez voir le mail comment il est tourné, Kevin il a fait quelques cours de com et de marketing là. Donc, nous allons faire la prochaine, nous allons tenir compte de la prochaine mise à jour afin d'améliorer l'histoire. Blablabla. Euh, bla bla, bla bla bla. Point 1. Au lancement de l'histoire conquête du désert, la vitesse de marche des troupes dans la mer morte sera augmentée. Elle est doublée, si je dis pas de bêtises. Hein. Elle, et elles regagneront la ville plus rapidement quand elles seront euh, acheminées. Super. Point 2, les emplacements et des lieux saints et des bastions ont été revus, blablabla, ça on le savait, c'était dans le patch log tout ça. Ensuite, point 3, vous allez voir ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qu'ils disent à la fin, c'est là qu'on a, à mon avis, le plus gros élément de langage. Donc point 3, comme vous nous l'avez demandé dans vos commentaires, nous, av nous avons conçu un système qui permet de nommer les généraux de façon plus rapide et plus pratique. Super. Et regardez cette fin. Nous continuerons à, teni à tenir compte de vos commentaires pour améliorer cette histoire. Nous souhaitons d'ores et déjà remercier. Alors regardez ça. Nous, il parle genre on a tenu compte de vos commentaires et on souhaite vous remercier. C'est à la fin que ça va déconner. Nous souhaitons d'ores et déjà remercier tous les gouverneurs qui ont joué à la conquête du désert. Donc on tient compte des commentaires et on vous remercie pour avoir testé et nous avoir fait tous ces commentaires qui nous permettent d'améliorer. Et regardez ça. Pour nous faire pardonner tous les désagréments rencontrés pendant cette expérience. Donc en gros... Là, ce n'est pas du remerciement. On est dans euh, tout simplement un mail d'excuse. Donc, Lilith reconnaît que la conquête du désert est éclat-taxe au troisième sous-sol, puisqu'il s'excuse. Si ce n'était pas le cas, il ne dirait pas pour nous faire pardonner. Donc, pour se faire pardonner de cette expérience en carton, eh bien sur cet euh, event, tous ceux qui l'ont fait, ce KvK, ils reçoivent 1000 gemmes, 10 clés de cristal, 10 clés en or et puis euh, des coffres de, euh, de ressources. Qui servent plus à grand chose, hein, puisque c'est pas énorme ce qu'ils donnent. Enfin s'ils servent, mais là c'est pas énorme ce qu'ils donnent. Les 10 clés de cristal en revanche et les. Non, c'est pas 10 clés en or, c'est 10 clés de cristal. Et euh, 10 clés pour euh, l'event, je me rappelle plus son nom, qui permet d'obtenir des, euh, des commandants légendaires durant le KvK, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Des clés, euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, des clés de souverain. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est écrit dessus, clés de souverain. Je sais même pas lire. Enfin, alors, le lundi, c'est difficile quand même, les amis. Bref, voilà pour ce petit mail d'excuses de Lilith. Ça fait plaisir pour tous ceux qui l'ont reçu. Moi, je l'ai pas reçu. C'est bien dommage. Continuons. Donc, à présent, on va parler... KVK encore les amis avec le KvK du 1034 Mais pas que vous allez voir On a du très très lourd Donc on fonce direct voir le KvK du 1034 Je vous le rappelle le 10-34 c'est qui C'est les 1V Donc les mecs non seulement ils battent les 60 GT durant la première manche de la grande finale C'est pas encore fini hein. On fera peut-être un live dimanche prochain On va voir si j'ai le temps avec Kevin On va voir pour s'organiser peut-être un live pour cette revanche Est-ce que les 60 GT vont gagner, d'ailleurs attendez, regardez, 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 j'ai pas regardé la cote, comment elle est en ce lundi, à mon avis elle va être beaucoup plus équilibrée, et regardez, la cote est triple, trois fois supérieure pour les 1V cette fois, alors qu'on avait un ratio de 8 dans l'autre sens, intéressant. Donc repartons chez les 1V, sur leur KVK, sur le KVK C1 1248, on le voit ils sont toujours Imperium les 1V, Qu'est-ce que ça donne pour eux Les mecs, normalement, ils roulent sur tout le monde durant... La... Ça là, ça, hein, ça rame toujours. Ils roulent sur tout le monde en KvK. Ils roulent sur tout le monde sur la grande finale. Et regardez comment ils sont positionnés. Donc les 1v, hein, c'est simple. Les 1v, c'est le royaume rouge qui est ici en Clarence. Hein. Il est sorti, il est avec son allié les bleus. Les portes de niveau 6 ne sont pas encore ouvertes. Mais ça ne devrait plus tarder à présent. Elles devraient, même elles ouvrent. Dans la semaine, et regardez, hein, on a du rise en forteresse. D'un côté, les 1v qui posent juste 3 forteresses au calme. De l'autre côté, le 64. Alors, le 64, il est en PLS. Pourtant, c'est un gros royaume, le 64. Et là, pour le coup, il flippe. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 forteresses. 12 forteresses. Les mecs ont mis 12 forteresses le long. Ils veulent être sûrs de ne pas se faire rusher. Alors, il forteresse à mort de tous les côtés. Franchement, là, il va falloir que Lilith trouve quelque chose pour limiter le nombre de forteresses qu'on peut poser parce que clairement les mecs ne peuvent plus rentrer sur les territoires tellement c'est long de détruire les forteresses. Les terres du roi ouvrent en général avant que les forteresses soient détruites. En général, celui qui met ça autant de forteresse, c'est qu'il n'est pas très confortable hein, et qu'il flippe un peu de ce qui va arriver. Donc sur ce côté-là, on le voit, ils ont mis à mort de la forteresse. Hein. De l'autre côté, il y en a beaucoup moins. C'est normal, ils vont attaquer de ce côté-là. Donc euh, ils ont besoin de moins de défense. Ici, les mecs sont toujours en train de combattre. Hein, c'est pour ça. Alors est-ce qu'ils ont pris tout le territoire ou est-ce que ça se fight encore ou est-ce que ça brûle Est-ce que ça brûle d'ailleurs non, tout le territoire a été conquis. Je vérifie si on a encore des zones de fight. On a peut-être une zone de fight ici. Non, on n'a pas de zone de fight ici puisqu'ils sont alliés. Ils ont tout pris. Est-ce que ça brûle du côté des sois, du 74 Ça ne brûle plus. Ils ont réparé. Donc on est toujours en combat ici. Mais on le voit, l'accès au, euh, aux terres du roi est loqué hein, par le jaune, par le couleur or qui a aussi. Tout le territoire en passeronne et regardez hein, comment ils se sont fait démonter. Rappelez-vous, si vous avez raté ma précédente vidéo, allez la voir. Je vous montrais sur ce côté-là. Ils avaient mis des forteresses des deux côtés pour loquer vraiment la zone. Et bien, ils se sont fait dépouiller. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à tenir suffisamment longtemps ce côté-là. Les 1v, donc, Impérial en grande finale, Impérial en KvK, qui va pouvoir les arrêter En tout cas, pour le moment. Pas les 60 GT en grande finale et pas le 64 non plus. Vraiment très intéressant à suivre. On continue avec le KvK. Puisque on a un autre KvK en lutte des 8 à suivre. Effectivement, il est à présent à 12 jours. On va le trouver. C'est le KvK du 14-84. Seul Imperium sur son KvK. Et ce qui est intéressant, je vous l'avais dit. C'est le seul impérium Pourtant, c'est pas le seul qui est tout seul. Regardez en haut, il n'est pas tout seul. Le 2050 est seul aussi en éclair et en, en bois, en forêt. Le 1641 est aussi seul. Ils ne sont que trois royaumes tout seuls. C'est vraiment un KvK atypique. Car de l'autre côté, on a le 1737 et le 1781 qui sont ensemble à deux. Donc sur ce KvK là, on va avoir des grosses surprises. Et surtout, on peut avoir des futurs très très gros royaumes en fonction du taux de combattants qu'ils vont avoir alors on se retrouve bien évidemment sur la même map que du côté du KVK des 1V avec cette séparation au centre et cette porte de niveau 6 on, on le voit bien, hein. le, le, les deux royaumes qui sont censés être le plus puissant et eh bien ils sont enfermés les mecs hein, du côté euh, la Havane, hein. exactement même scénario qu'avec les 1V, en revanche au sud ils sont avec un allié donc ils sont sortis, hein. de l'autre côté le royaume en Clarence lui est avec un allié donc il est sorti et le seul royaume impérium ce situe donc ici en Leverkusen, Il est sorti ici hein, tranquillement. Il a enfermé en wedgie le royaume violet, les royaumes violets. Et pareil hein, au sud, hein, il est sorti. Mais sauf que là au sud, il est avec un allié en Dimbroco. Donc il est plus détente. Les gros fights hein, vont donc avoir lieu sur. Ça va être simple, hein, Ça va être en Brookton principalement. Et en Chiki aussi. Car le rouge va devoir affronter. Ah non, il n'aura pas affronté, Le rouge, il est aussi avec un donc Donc le gros fight va avoir lieu en Brookton sur le C1-13-63. Et le 14-84. Le 14-84, c'est un. Petit impérium, comme le 1256 quand nous l'étions. Hein. C'est un petit impérium, mais ça reste un très bon royaume. Regardez cette coalition. 12 milliards, 14 milliards, 6 milliards. Ça représente euh, presque 40 milliards. C'est pas mal, c'est pas oufissime, mais c'est pas mal du tout. On continue, les amis, avec les KVK. Regardez, je vais vous donner, avant de partir de ce KVK-là, regardez en exemple celui qui est censé avoir la coalition le plus puissant. Celui-là, regardez, la coalition, 10 milliards, 9 milliards, 8 milliards. Elle est moins importante, mais attendez, on n'est qu'à 3. Les grosses coalitions sont à 5, donc on va devoir attendre qu'ils prennent des bâtiments. Et ceux qui l'auront roulé dessus en Clarence, eux, sont à membres de la Lui non, coalition. Voilà, ils sont à 12 milliards, 12 milliards, 4 milliards. Donc ils ne sont pas énormes non plus. Hein. Donc c'est plutôt équilibré. Continuons donc sur les KvK. Et cette fois, les amis, on va retourner sur un KvK saison 2. Je vous ai dit, on le suivrait avec attention, ce KvK. Il faut que je trouve. Voilà, il s'agit du S2 1055. 9 jours, 8h34 minutes et 56 secondes. 5 Imperium, j'ai vu quelques rapports, rien de très impressionnant, mais en tout cas, il y a du fight hein, sur, ces cas, sur ce KvK là. Les portes ont ouvert, donc forcément, les portes de niveau 4, si je dis pas de bêtises, ou niveau 5, niveau 4, niveau 4 ont ouvert, donc forcément, on se trouve sur une zone de fight. Et quand même, il y a des choses qui sont surprenantes. Donc regardez, on n'a pas la séparation. On est sur un KV4 de saison 2. On n'est pas sur la même map qu'on vient de voir, même si c'est exactement le même emplacement et les mêmes dimensions. On n'a pas de séparation au centre, ce qui fait que le royaume le plus puissant en Bengala, Et eh ben il est sorti des tentes et il a pris toute la zone Zarat. Ce qui est étonnant, c'est que le vert n'est pas du tout sorti et le jaune non plus n'est pas du tout sorti. Ils ont laissé Champ libre au bleu, je suis étonné. Si vous êtes sur ce KvK, si vous êtes sur le royaume Belguela, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi vos adversaires ne sortent pas. De l'autre côté, le royaume vert en Clarence, lui, est sorti entièrement de l'autre côté. Aidé de son allié. Hein. Il est sorti et donc ça doit brûler là, puisqu'ils sont sortis et ils avaient juste mis voilà, des forteresses. Pour Lock la zone. Il est sorti. Ils sont installés là. Il n'y a rien qui brûle pour eux. Ils sont détendus. C'est normal qu'il y a rien qui brûle. Ils sont avec leur allié, le jaune, le doré. Hein. Donc le or. Oh, je ne sais pas quelle couleur c'est exactement. Ils ont tout pris en La Havane. Mais euh, de l'autre côté, hein. ils ont flippé. Ils ont rien pris. Le jaune a dû faire la même. Exactement. Le jaune est sorti avec son allié, le bleu. Et a bloqué le rouge en Lucerne. Le bleu de l'autre côté s'est fait enfermer. Le violet a enfermé tout le monde. Donc là, on va avoir quelque chose de très intéressant à suivre, les amis, pour les ouvertures des portes. Car on a deux royaumes. Le violet, qui doit être forcément allié de l'autre côté au bleu. Ils ont pris toute leur zone. Et leurs alliés, s'ils sont à 4 contre 4, hein, le rose et le, le rouge se sont fait totalement enfermer. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver normalement à 2 contre 1 en calcha et en deux contre un en macha et de l'autre côté pareil sur okuri donc ils sont à deux contre quatre hein, en fait un demi contre deux et un demi contre deux s'ils séparent des deux côtés ça va être extrêmement intéressant on va avoir de la fight sur tous les territoires et je ne pense pas que le bleu comme le violet puisse combattre dans les deux zones en même temps sauf si les mecs sont vraiment au max du max en termes de, euh, de combattants. Ça va être très intéressant à suivre ces ouvertures les amis. On va avoir du gros gros fight. Et potentiellement ces deux royaumes-là, parce que les mecs sont vraiment au max, hein, ces deux royaumes-là peuvent vraiment devenir des très très gros futurs royaumes. Le 2445, hein, son alliance principale, elle est à 10 milliards, ce qui est très très bien pour un KvK niveau 2, ce qui est même énorme. Et on est plutôt à 9 milliards normalement. Hein. Et de l'autre côté, hein, le 2000, combien Le 2000, je ne sais pas combien c'est. contacter le leader, non, membre de l'alliance, le 2160, c'est ça, le 2460 plutôt, qui lui est à 9 milliards 9, quasiment 10 milliards aussi. Des très 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 gros royaumes et des très gros joueurs et certaines très grosses baleines. On va le suivre ce KvK, les amis, car il est tout bonnement énormissime. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock.